Moi, j'ai décidé que j'allais en santé globale parce que c'est beaucoup d'activités variées, l'activité extérieure. En début d'année, on a fait du vélo, de l'équitation. Le quart d'automne, cette année, on a été au Mont Ham en vélo. C'est un grand défi, mais quand on arrive, on est fiers de l'avoir fait. On fait du ski alpin, on fait de l'escalade. De la raquette, du ski de fond. On fait aussi de la natation. En secondaire 4, on fait de la plongée. Très populaire pour les élèves qui veulent pouvoir conjuguer plein air et scolaire. Moi, je voulais faire du sport à travers de mes études, pas juste faire des études puis m'écœurer de ça. Ils font du sport, travaillent fort dans leurs études, puis en plus de ça, bien, deviennent des bons leaders, deviennent des gens qui sont positifs. Puis aussi, on leur donne des conseils santé pour qu'ils soient des élèves en pleine forme. Le programme Santé globale ici à l'école a une vocation beaucoup sociale et communautaire. Par exemple, participer à des éléments communautaires comme la clinique de sang. Ça prend des élèves qui sont quand même assez forts et motivés à l'école. On le sait qu'on va tout le temps faire une nouvelle activité ou se perfectionner dans une activité qu'on sait déjà. Il y a aussi l'atelier de réparation de vélo. Les élèves travaillent avec des gens retraités qui viennent ici à l'école, travailler avec les élèves de santé globale pour offrir un vélo à des élèves de notre quartier qui sont plus défavorisés. Je vous conseille de choisir santé globale pour le sport, les activités puis les amis.